Véronique, oui, allez-y, Véronique. Oui, effectivement, M. Drainville qui se fait saluer par des sympathisants. Lorsque vous regardez cette soirée-là ici, M. Drainville, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait la course jusqu'à la fin? Non. Je suis très serein avec la décision que j'ai prise. Je pense que j'ai pris la bonne décision et j'ai jamais douté. Depuis que j'ai pris la décision, j'ai jamais douté. Est-ce qu'il y a des gens ici qui vous disent que vous auriez dû rester jusqu'à la fin? Non. Tout ce que j'ai eu jusqu'à maintenant, c'est des gens qui m'ont dit merci de l'avoir fait, de m'être allié. Est-ce que vous pensez que d'autres vont suivre votre exemple? C'est Pierre-Carl Péladeau qui l'emporte ce soir, qui vont être capables, comme vous, de se rallier? Ah, je pense que oui. Oui, oui. Il faut, Parce que vous étiez quand même critique à l'endroit de M. Péladeau. Il y a beaucoup de vos sympathisants qui l'étaient aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais une fois que tu es un gagnant, il faut se rassembler autour du gagnant pour affronter. Vous savez, il va falloir affronter notre seul véritable adversaire. Puis ça, c'est le Parti libéral, c'est les libéraux. Moi, je pense que le PQ, le Parti québécois, c'est la seule vraie alternative aux libéraux. Et de la même façon que la seule vraie alternative, ou la seule alternative à notre statut de province, c'est le statut de pays indépendant. Puis ça, il va falloir le travailler tout le monde ensemble, avec les Québécois, avec les familles, avec les travailleurs du Québec. Alors, moi, je pense qu'au terme de la course, il va falloir travailler tout le monde ensemble autour du nouveau chef. Je pense que ça va être un nouveau chef. Je pense que ça va être Pierre-Carl qui va être élu dès ce soir au premier tour. Et c'est sûr que ça prend un petit peu de temps à s'habituer. Tu sais, moi, j'ai vécu une petite transition, là. Mais il faut donner un petit peu de temps à chacun. L'important, c'est qu'on travaille tous ensemble pour le même objectif. Je suis vraiment convaincu que ça va fonctionner. Pierre-Carl a mené une bonne campagne. Alexandre a mené une très bonne campagne. Martine aussi. Les autres aussi. Et je pense qu'on va réussir à travailler en groupe. Merci beaucoup, M. Drainville. Une équipe, un Parti québécois. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, Bernard Drainville, qui semble très serein ce soir, justement, de sa décision. Oui, merci. Pendant qu'on